L'idée qui me vient, ça implique le corps. Salut, c'est Marion Richard, monbeauprojet.com. Bienvenue dans ce vlog formation de formateurs. Une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi pour te partager mon parcours jusqu'au 13 avril. Je viens de vivre le changement d'heure. Et moi, ce que j'entends toujours, c'est le changement d'air. Quand on change de monde, on change de paradigme. La semaine dernière, nous avons eu une présentation pendant la formation sur le blended learning. Dans ce beau franglais, n'est-ce pas, c'est la formation mixé, mélangé. Je suis persuadée que les Québécois ont trouvé une solution. Moitié en présentiel, d'une manière traditionnelle, physiquement, on est tous présents ensemble dans la même pièce, ou bien à distance, c'est-à-dire que les stagiaires peuvent être dans plein d'endroits différents et le formateur dans encore un autre endroit, et on continue néanmoins la relation de formation ensemble. Tout ça a été facilité, bien entendu, par le fait qu'on ait facilement accès au Wi-Fi et donc qu'on puisse avoir des connexions rapides, puisse échanger des gros fichiers facilement, ou on peut même se retrouver ensemble sur une visioconférence à une heure dite, devant chacun son ordinateur, et on peut réellement échanger ensemble. Même quand on est en présentiel, même quand on est ensemble dans la même salle, eh bien les choses ont changé. C'est très difficile d'imaginer qu'on puisse passer une journée entière dans une formation d'adultes sans qu'il y ait d'interaction, sans qu'il y ait d'échange, sans qu'il y ait de mise en route corporelle. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y a une aspiration, il y a un besoin à explorer d'autres modes de formation, d'autres modes d'enseignement, d'autres modes de transmission. Et que la plupart du temps, ça implique le corps. Être debout, circuler dans la pièce, se mettre en petit groupe, revenir ensuite sur une séance plénière. Ça implique de se lever, de bouger, de changer d'endroit. J'ai beaucoup pratiqué la danse, j'ai besoin moi-même d'investir ma relation à l'enseignement, à la formation par le corps. Ça m'a donné une idée. Ce sont des ateliers corps et parole. Voilà. Donc je t'annonce ça comme ça au débeauté. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Merci de cheminer avec moi dans mon évolution. Je t'embrasse, on grandit ensemble. Ciao.